Ben, moi, je conseillerais de ne pas en arriver à se servir de la nacelle. Hein. Donc, ça, y a deux choses qui vont arriver à ça. C'est le suivi de la taille. Donc, si on suit de façon régulière la taille, on ne devrait pas avoir à monter très très haut avec une nacelle. Et puis, après ça, les hauteurs de fût, hein, l'objectif de la bille. Hein. Je pense qu'ici, on a des objectifs à 5 mètres et 7 mètres. Sur le noyer, je pense que c'est vraiment le grand maximum et on ne peut pas y arriver sans nacelle. Hein. Chose que sur d'autres essences, sur Cormier, c'est possible, hein, parce qu'il est simple, hein, il ne fourche pas. Par contre, sur une grosse majorité, ça me semble quand même compliqué. Hein. Un frêne, micocoulier, tenir ça à 5 mètres ou 7 mètres, ça me semble un objectif très très optimiste et difficile à tenir. Pour notre région, mais peut-être pour d'autres régions. Ah oui, pour notre. Ah, pas seulement, non, parce qu'il y a les arbres qui fourchent facilement, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, ils fourcheront de la même façon. Quoi.